été prises en compte dès la conception du décodeur. C'est ce que l'on appelle l'éco-conception. Le nouveau décodeur est ainsi beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit, et cela bien sûr signifie moins de plastique. La coque inférieure est entièrement en plastique recyclé. Notre objectif pour le futur est une coque à 100% en plastique recyclé. L'emballage maintenant. Avant, le carton était grand et noir. Désormais, il est petit et blanc. Cela signifie beaucoup moins d'encre d'impression et celles-ci sont végétales afin d'assurer une meilleure biodégradabilité. Et le carton est issu de forêts gérées durablement et de cartons recyclés. La durée d'usage du décodeur est également un critère environnemental très important. Pour allonger cette durée, la coque est rendue plus résistante aux rayures et nous avons remplacé les vis par des clips pour faciliter le démontage. Nous faisons tout pour remettre à neuf les décodeurs en panne. Mais si le décodeur ne peut pas être réparé, alors il est recyclé. Notre décodeur est composé de 58% de plastique, de 34% de cartes électroniques, de 3% de métaux ferreux, de 3% de métaux non ferreux et de 2% d'autres composants. Nous travaillons avec un éco-organisme pour améliorer la valorisation des matières de nos décodeurs recyclés. Et c'est grâce à toutes ces actions que notre nouveau décodeur TVUHD a une empreinte carbone divisée par 2.